Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Pharaoh. Comme prévu, on se retrouve pour notre petite bataille. Donc du coup, il y a des renforts qui vont arriver par là. Donc c'est probablement la petite armée de garnison du fort. Là, on va avoir un peu plus de monde. Donc je pense qu'on va pour le moment peut-être ignorer ça. Et se préparer à prendre cette petite colline là. On peut se déployer en avant-garde. Avec nos mecs à comment à hache. Donc on va essayer d'aller vite fait récupérer la ligne avec les frondeurs. On a une excellente ligne de front là. Hein, avec de quoi gérer également la charge de manière assez efficace. On a notre petit char ici qui sont quand même 6. Même si leur vie a un petit peu souffert. Et c'est excellent. Donc, on peut descendre des chars et combattre à pied. Ah oui, d'accord, c'est ça, donc le truc, on peut débarquer derrière. Donc on emmène nos... On traverse la ligne ennemie avec ça, et pouf, on débarque tous les mecs. Il y a quand même du monde, hein, 3 par troupe. 3 par char. On les débarque, on charge de dos. Et donc on a notre unité de traîtres corrompus, qui si on ne meurt pas, on pourrait recruter. Pas dégueu, hein, bonne défense. Dégâts perforants, c'est pas mal. On va peut-être garder de la troupaille pour s'occuper un peu des renforts. Ça devrait suffire. On va mettre eux en général. Et on est parti. Alors du coup, comment ça se passe? Ah, j'avais un doute, mais là, vraiment, il a que ça, du coup. Les renforts costauds vont être dans le dos. On va voir. Avec ses archers, il est bien placé, quand même. Hein. Vous, là, vous allez courir. Pour l'instant, on va rester là avec eux, mais s'il décide d'avancer avec ses archers, on va peut-être les charger. Direct. Alors, toi, tu vas là. Toi, tu vas là. Non, vous allez ici, ici. Et ici, ça c'est notre petite unité qui va rester derrière, voir ce que donnent les renforts. Mais avec vous tous là. On avance en marchant pour le moment. On va même se mettre un peu plus devant. Les chars, pareil. Et vous, je vous ai laissé ici. En vrai, ce serait pas mal que vous alliez par là. Allez, c'est parti. On va voir si ça sort en masse. Si les renforts arrivent plutôt en masse par là. Oui, ok, ils arrivent plutôt en masse par là. Très bien. Donc, changement de plan. Ça veut dire qu'on charge. Go. C'est de la milice à la con. Donc, on charge avec les unités de tireurs, pareil avec toi, fonce. Et les autres unités légères, genre vous, foncez également. On va y aller avec nos unités un peu plus rapides. Enfin, eux, ils ont quoi comme vitesse? 60 quand même, hein, c'est pas dégueulasse. On part à 45 pour eux. Et donc, du coup, on va plutôt se poser en défense comme ceci. Alors, pas la peine de courir. On va récupérer eux. Toc. 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 Voilà, là ça nous fait une très belle ligne de front. Très très difficile à passer. Bon. Avec toi, je t'ai pris toi. Non, je t'ai pas pris toi. D'ailleurs, bah, du coup, tu vas te mettre dans le dos. Toi, pareil, t'es plutôt un mec spécialisé en attaque de flanc, donc tu viens par là. C'est parti. Se prendre quelques tirs malheureusement avec les mecs à poil, mais pas tout faire. Normalement ils sont en descente, ils vont couvrir la distance assez rapidement je pense. Ah, les archers tirent vite quand même. Allez, la charge. Bleed them out.
Là, on va essayer de se placer, parce que là, du coup, effectivement, on va choper cela. On leur a fait mal, au général. Alors ici, on fait demi-tour. Qu'est-ce qu'ils foutent? Ils courent. Ok, pour l'instant, pas d'urgence. Vas-y, le char, il traverse. Là, ils sont en train de se faire dépouiller. Ils sont en train de repasser de l'autre côté, les enfoirés d'archers. Ok, là c'est la déroute, ici c'est la déroute totale, repliez-vous par là. Alors du coup, là, c'est très bien qu'on avance un petit peu les frondeurs quand même. Les gens sont en train de prendre leur position, très bien. Les archers là tentent visiblement un truc. Je ne sais pas trop quoi, mais ça ne marchera pas. Déroute totale ici. Là, c'est la déroute également. On va les envoyer par là-bas, je pense. Tranquillement. Ok, nos hacheurs, là. Marcher jusqu'ici. Parabœuf, ils ont un petit peu souffert, ils sont pas assez nombreux, on va les envoyer à un autre endroit. Ok, ici on va commencer à laminer un peu ça. Ce serait bien si vous pouviez tirer sur les archers plutôt. On va en mettre 3 sur un archer. C'est tant que vous avez besoin de 3 avancées quand même, hein, c'est possible. Hop, comme ça. Ici, on peut tenir la position. Et vous êtes en train d'avancer, les gens. Okay. Alors là, c'est bon. On va essayer de chasser le général avec les chars, comme prévu. Là, ils sont en déroute finale. C'est parti. Toi, du coup, viens plutôt par ici, parce que c'est là qu'il va quand même y avoir du monde. On avoine les archers. Hein, les frondeurs sont très bons pour faire tomber le moral. Ça, c'est cool. Là, c'est la charge. Pour ici soutenir un peu. Là, du coup, il va être temps de peut-être courir un peu, c'est également. On a un général qui charge là, un général qui charge là. Allez, c'est parti. On va intercepter celui-là. Avec qui on va courir par là. Pareil pour eux, c'est des spécialistes de l'attaque de flanc. On va les envoyer par ici. Là, on est déjà en train de se ramener. On a tué le général ici, demi-tour. Là, c'est même presque trop tard pour aller par là-bas, en fait. Ça sert à rien. Ils sont déjà en train de s'enfuir partout. On a le gros boost du général pour les épéistes, là. Enfin, le gros boost, ça fait que 1%, mais c'est quand même pas dégueulasse. Hein. Plus 1 et plus 1. Le boost léger, mais notable. On va appeler ça comme ça. Allez, commencez à courir. Là, une première unité d'archers qui va partir en déroute, excellent. On change de cible, là, là, là. Ouais, là-dessus. Ça, ils se sont tellement tous enfuis. Allez, chopez-les. Ah ouais, là, le moral, waouh quoi, impressionnant. On les a défoncés quoi. Allez go, charge. Charge généralisée là. Pour faire tomber ces cons. Eux ils sont en train de marcher. Ils doivent quoi.
Reste une unité qui est pas en déroute. Non, il y a lui aussi. Bah tiens. Hop. Les généraux sont pas encore en déroute. Par contre, du coup, on va se détendre avec les frondeurs. C'est pas la peine de... d'avancer sur les ennemis. Eux, ils sont beaucoup trop loin pour faire quoi que ce soit. Ah, là, il y a... reformation. C'est la déroute. Bon, on va se mettre en vitesse 3 pour essayer de... faire un petit peu de dégâts, mais... peut-être gérer les généraux, qui du coup, vu qu'on est en train de les assiéger, ne devraient pas revenir si on les tue. C'est fait. On les poursuit, mais... on est trop lourd, hein. Ouais, quoique là, on a réussi à rattraper quand même les hommes des tribus qui sont un peu plus lourds que ça. Allez, il y a peut-être lui à gérer, là, encore. Il a réussi à s'enfuir, ils sont 6. Ils sont 4. Il a réussi à sortir. Oh, le petit salaud. C'est quand même une victoire décisive. Très bien. 330 troupes encore restantes ici. Le reste s'est fait annihiler. Pour des pertes, somme toute, très très relatives. Très honnêtement. Du coup, on va prendre, je pense, la... la reconstitution. La trésorerie, c'est naze, on prend ça. On a déjà l'autre bonus pour l'instant, encore un peu. La civilisation prospère. Excellent. Notre accord avec la Lucas a expiré, on a gagné une lance. Et on a gagné le combat ici. Alors, qu'est-ce qui reste? 10 mecs. Le renfort de l'avant-poste qui n'est pas complètement mort. Du coup, on va les finir. Tiens, mange. Tu peux te protéger avec ton bras. Ça ne suffira pas. Ah, on a encore pas assez pour ça, dommage. On va quand même pouvoir prendre le bronze, là. On aurait eu la même quantité, ouais, de toute façon. ...15% de reconstitution, c'est pas mal. On va raser. Et là, du coup, bah, vu qu'on est à portée, on va aller lancer un petit village. Hop là. Petit à petit, hein, ça va nous faire de la nourriture. J'ai pas ce qu'on veut de le lancer ici. Parce que c'est vrai que si ça fait popper une armée, ce sera toujours ça de prix. Ah, puis mine de rien, ça fait quand même de l'influence et de l'emplacement de recrutement pour l'armée dans la région, c'est pas mal. Hein. Les pieds de la civilisation, pour le moment, ne sont pas encore totalement totalement sous l'eau. Donc lui, globalement, on a à peu près terminé avec lui. Après, on pourrait se rabattre sur Ramsès, mais j'aimerais bien aller terminer ça et éventuellement ça. Puis là, peut-être qu'on re-rasera, tant pis, même si on n'a pas le bonus... histoire de se débarrasser de lui. Mais notre cible, ce serait lui. Enfin, notre vraie cible, c'est Ashkalan, hein. Comme me disait un viewer, ça fait penser à Ascalon dans Guild Wars 1. J'ai plein de souvenirs. Mais pour le moment, on n'a pas trop le niveau. Est-ce que ici, on peut éventuellement perdre une unité si on fusionne tout, là? Ouais, on passe à 19. Du coup, on pourrait prendre les guerriers du coup qu'on peut recruter vu qu'ils ne sont pas décédés. Mercenaires, excellente attaque. Pour à peine 4 de bronze de plus. Enfin, d'entretien, j'entends. C'est quoi leur bonus, non? Jet de sable. Ah, rigolo, ils peuvent affeugler un ennemi en jetant du sable dessus. Excellent.
Et donc du coup, eux, ils sont... Ouais, non, ça leur donne rien de particulier, là. Je vois en fait qu'ils ont... Ils ont le petit bonus, le petit symbole là de d'éminence, mais je pense que c'est juste pour nous indiquer que c'est des unités d'éminence. Ah, une excellente attaque. Ça me plaît bien, hein. Allez. Quoique, on n'en a pas besoin ce tour-là, on pourra les prendre au prochain tour. On va se diriger par là au maximum. Laisser ça derrière nous. Ah tiens, c'est marrant, c'était une colonne mine d'or, mais c'était du bronze qu'on avait. Ok. On va aller chercher du bois par là-bas. Est-ce que on peut éventuellement... Alors oui, notre accord qui a expiré avec les Lucas. Donc... Ouais, c'est là qu'il partait notre bois. Est-ce qu'on peut en donner un peu moins? 38, 34, 37, 35. Allez, il va pour 35. Pour 220 de nourriture, c'est parti. Voilà, ça compense un peu. Nickel. Nickel, nickel. Donc échange expiré, c'est bon. Et on a un point de compétence, niveau 11 pour notre cher Aliat. On va booster la reconstitution, on va aller chercher le niveau 5 ici. Nous on a gagné, il lance une épée, on a toujours notre bouclier de base. On va rester en armure moyenne. Comme ça, elle est quand même plutôt rapide. Très bien, c'est parti, on passe le tour. Je vais aller voir si je peux pas faire un peu chier Ramsès là. Ouh. Ah oui, il a une belle armée en fait lui. Vive les suivants d'Horus. Alors c'est un peu moins important pour nous les suivants d'Horus. Surtout que notre bonus actif est quand même pas oufissime, on va dire, sauf si on est vraiment dans la merde, ou qu'on a beaucoup d'unités, pas de buff par exemple. Mais les mettre en pâturage, c'est pas forcément très pertinent. Ici, c'est en train de se casser la figure, le truc. C'est marrant parce qu'on est à moins 16, et on voit que c'est 6 contre 1 face à 6 contre 1. Donc en fait, c'est probablement nos villages là qui foutent la merde, mais c'est pas... ça apparaît pas. Hein. Alors du coup, eux là... sont un peu sur notre chemin. Est-ce qu'on se tente une charge contre eux? On pourrait se tenter une charge contre eux. Faire du coup notre recrutement... Donc on a débloqué des nouveaux buffs, mais on va prendre eux. Ah non, oui, c'est en marche rapide pour ça, zut. Bon, bah, du coup, on va aller poser un petit village là. 200, on a ce qu'il faut. Et on va avancer jusqu'ici pour poser un petit bâtiment, peut-être. Genre là. 800, ah, 800 c'est un peu chaud, 131 ouais, 112 de thunes. Armure plus 10 pour l'armée, 12% de... Et après le moins 20 de coût de bâtiment, il est quand même vraiment pas mal pour la suite. Ouais, on va payer pour ça. On vide un peu nos stocks, il faudra qu'on fasse gaffe. Mais je pense que c'est pas mal. La question étant, est-ce qu'on recrute quelqu'un d'autre? 300 de nourriture? Non, on n'a pas... On va se détendre sur nos revenus là. J'aimerais bien déjà pouvoir faire du bâtiment un peu plus avancé, type ça là. Les frondeurs sont très forts, hein. Je suis pas sûr que ça vaille le coup d'aller chercher les escarmoucheurs et les archers pour le moment. Par contre, avoir un petit corps à la bœuf là, ça me ferait bien plaisir. Hein.
Ok, qu'est-ce qu'on a? Construction disponible. Oui, bah du coup non. Enfin, j'imagine qu'on peut construire un truc, mais qu'est-ce qu'on veut construire? Ah oui, des trucs comme ça. Là non, là non. On pourrait construire ça, mais on est vraiment en dèche après niveau ressources. Hein. Ouais, non. 230, il nous reste 200 de pierres, faut qu'on se détende. Non. Ça suffira pour le moment l'amélioration. Lui, il fait quoi du coup? Il se replie. Il est pas serein, il a bien raison. Alors, on a terminé des avant-postes. Ça nous génère de la bouffe quand même. Hein. Et on a terminé les artisans itinérants, ce qui nous donne un sacré bonus. Alors du coup, là, si je me mets en raid... Ouais, c'est ça, je peux plus y aller. Je peux pas aller assez loin. Ah oui, je suis en campement. Je sais pourquoi je peux pas me déplacer. Est-ce qu'ici on peut atteindre une zone où il n'y a pas de... Ah, c'est tendu, hein. On aura du désert partout, là. Faudrait arriver jusqu'ici. Ou alors aller jusque-là. Ou alors on se dirige vers lui. On va faire un avant-poste ici, mais ça coûte 200, un avant-poste. Hein. Ça coûte 200, donc on va être un petit peu short si on fait un avant-poste. Mais on va jusque-là. S'occuper de lui là, et il est en train de perdre des troupes là. Il était à 20, il est passé à 17. Et on est malheureusement trop loin pour le poursuivre. Ça ralentit l'ennemi, je crois. Non, c'est pas ce truc là qui ralentit l'ennemi. C'est un de nos bâtiments, je crois. C'est un de nos bâtiments. Qu'est-ce qu'on avait qui ralentissait l'ennemi? Je sais plus. On avait un bonus à un moment qui faisait que l'ennemi était plus lent. Bon, ok, c'est pas très grave. Je pense qu'on va aller se faire un peu de bois là-bas. Pas vraiment moyen, on va aller le plus loin possible. Juste pour voir... ce qu'on nous propose. Ok, il y a un mec en campement ici. Juste à côté de son fort. Et son fort... Le fort, il est à poil. Il n'y a rien de très très intéressant. Il est un petit peu trop loin, on peut l'attaquer. On peut l'attaquer. On va l'attaquer. Il décide de faire front. On va donc le laminer. Bien gentiment, voilà, tiens. Et bim pour le finir. Et on va prendre l'équipement. On va reprendre notre petit bonus de 3 tours. Ok, donc là, on ne peut rien faire d'autre. On va se contenter de se reconstituer. Et on sera potentiellement à portée pour aller s'occuper de ça au prochain tour. Il n'a plus d'armée, il n'a plus rien. Est-ce qu'on peut le vassaliser? Non. On ne peut pas le vassaliser. On va donc le raser. En plus, c'est un level 3, je crois. 622 de bois. Et du poing. Ça, c'est cool. Pourquoi, du coup, si je fais ça? Ah oui, d'accord, ça m'affiche mes armées, je peux le recruter directement. Allez, c'est cool. Et le butin de guerre, on est toujours en 5. Là, il faudra 250, donc il faudra qu'on construise l'idole d'après, là. Si on fait ça, on passe direct à 250. Donc ça nous donnerait quoi, 250? On pourrait dévouer un général? Alors la prière, on pourra jamais en faire, du coup, c'est presque dommage. Mais par contre, on pourra dévouer un général, 10% de bonus de charge et 10 de dégâts en mêlée pour la horde. 10%, ouais, c'est pas mal. Allez, go. Alors eux, ils veulent une paix, et ils sont à l'autre bout du monde. Contre de la pierre et de la bouffe, à tout hasard, vous auriez pas un peu de bronze, plutôt? Alors la bouffe, on s'en fout. Du bronze. Ah non, ils ont pas de bronze. Ils ont pas d'or. Ok, ils ont rien d'autre.
D'accord. On va prendre toutes leurs pierres et on va compenser avec de la bouffe. 400, pile poil, mago. Ils sont à l'autre bout du monde, on les entrera en guerre contre eux à l'occasion, mais c'est pas une priorité. Vous par contre, pas de paix, non. Non, c'est pas possible ça. Pas de paix avec vous. Éventuellement avec eux, mais... Il a repris sa cité. C'est pas grave, hein, on pose nos petits avant-postes, tranquillement. Là du coup, il doit y avoir juste un général dedans, ouais, qui est réapparu, c'est pas très grave. On va aller s'attaquer à ça. Ça va être très probablement une bataille auto. Ouais. Je peux pas le faire ça, l'armée ennemie n'a qu'une seule unité, ah oui, effectivement. Est-ce que je peux faire une promesse de gloire, récupérer de la troupe, encore un guerrier, des archers? Ouais. Non. Ça ne me tente pas, on va se contenter de les défoncer. XP, 100 de bronze quand même, joli. Un peu d'or. On n'a toujours pas assez pour ça. Bientôt. Le prochain coup, on aura assez pour raser une mineure. Mais je crois que la prochaine qu'on attaquera, ce sera une majeure. Donc c'est pas très grave. On rase. Ah zut, on est parti dans le mauvais sens. Mais on peut atteindre ça. On va aller poser un petit village ici. Hop. Voilà. Petit village tribaux, sans de nourriture. This tour shall pass. On gagne un tout petit peu de mouvement parce qu'on veut aller par là. Lui, je pense qu'on va le laisser en paix, à la rigueur. Est-ce que ça suffit? Ce serait ok pour une paix. Donc tout en bronze. Bah... T'as ce qu'il faut. 100 de bronze pendant 5 tours, ça me va. Et puis éventuellement, j'aimerais bien un petit peu de pierre. Un peu d'or. L'or, t'as pas beaucoup. Un petit peu de pierre, ouais. Je pense que pour avoir des valeurs intéressantes, il faut compter dans la nourriture. Non, même pas. On a tellement taxé de bronze qu'il est étouffé, le pauvre. C'est pas grave. Une paix contre tout ça, de toute façon tous tes trucs ont été rasés, ça ne m'intéresse pas plus que ça. J'ai déjà posé des petits villages à droite à gauche. Donc ouais, allez, c'est parti. Non, on est bien niveau bronze du coup là, ça nous rattrape vraiment pas mal. Et il est pourri par les villages là, et s'il décide de les attaquer, ça... Ça pop des armées dans sa tronche. Alors on verra si ça pop des armées et que du coup il est. On est en paix avec lui. Est-ce qu'on peut l'attaquer avec ses armées? Est-ce que ça devient des armées qui sont contrôlables? Ça se trouve même pas. Hein. Et du coup, on va aller chercher Ashkalan, Ramsès. Ouais, Ramsès, il serait presque pour une paix, mais vu que c'est notre seule prochaine cible, on va pas faire de paix. On va aller tabasser ici. Reraser les trucs qu'il a éventuellement reconstruits. Ça c'est quoi? Ah, il a remis un truc qui donne de la garnison ici. Donc on va aller taper dessus. Pas de souci. Un point de compétence de nouveau. Niveau 12. Hein. On va continuer par là. Action détruite. Ah, on a gagné un diamantaire. Voyons voir. Qu'est-ce que c'est donc que ceci? Diamantaire, chance d'auxiliaire, plus 10%, ligne de mire, plus 35. Bah, c'est le même que celui-là, mais en amélioré. Donc, ouais, carrément, on le prend. Et on a obtenu des niveaux. Et bah, c'est parti, on passe le tour. Lui, du coup, il va se refaire plus ou moins comme il peut, j'imagine. Et donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va par là-bas. On va marcher sur le territoire ennemi.
par contre on tourne. 7, steady pace. On fait tout le mouvement. Hop, voilà, on se pose pas de questions. Notre objectif c'est d'arriver là-bas parce qu'il va encore falloir faire du siège, mais on va en profiter pendant qu'ils ont un petit peu moins de monde là. Moins 23, ça diminue. Je sais pas, c'est calculé ou pas. Taxe, main d'œuvre inactive. Non, même pas. Il n'y a toujours pas le... Mais là, cette fois, ça colle. Hein. 6 moins 6 moins 2, ça fait bien moins 2. Donc ce truc-là ne proque pas, ou en tout cas est compensé. Ah, on peut prier là. Ah, on peut prier dans ces avant-postes. J'aurais pas percuté, mais c'est excellent. Faire des provisions et prières. Oh. Très très bien ça. Très très bien, très très bien. Ah, fin de la guerre civile déjà? Non, nouvelle guerre civile. Et donc visiblement c'est la merde chez les Hittites et chez les Égyptiens. Ça nous arrange, hein, l'un dans l'autre. Qui se termine? Un nouveau pharaon? Non, c'est le décès peut-être de Meramta. Ça va être le décès de Meramta, ouais, c'est ça. La chair est faible. Mais l'âme d'un pharaon, elle perdure. Pour l'éternité. Alors, ah, on a notre petit bonus pour adopter le campement, ça c'est cool. Ready for anything. Et on a juste ce qu'il faut pour aller lui taper dessus, mais il faut qu'on rase ça avant si on veut pas qu'il y ait trop de garnison ici. Alors, en termes de nouvelles recherches, défense d'embuscade, chance d'embuscade, ressources pillées, XP de bataille en plus... de construction moins 1 pour tous les avant-postes tribaux, pas mal. Défense en mêlée et morale quand on est en défense. Nourriture plus 20% les avant-postes tribaux, c'est pas dégueu. Un petit temps... Ah oui, si on veut aller chercher ça, ouais, il faut qu'on passe par là du coup. Croissance de travailleurs, rang de recrutement pour les généraux, du bois... Alors le bois c'est naze. Clairement c'est naze, mais si on veut chercher ça, il n'y a pas trop le choix. Ressources de raser plus 30%, c'est fort. Hein. On est sur du 25 tours. Là. Mais bon, croissance de travailleurs plus 2, après on part sur rang de recrutement des généraux, c'est pas si dégueulasse. Hein. Très honnêtement, on va en recruter des généraux à un moment s'ils commencent à 2 niveaux de plus. Si c'est pas mal, on va partir là-dessus, chercher la nouvelle divinité pour notre future armée. Ça me va plutôt bien. Donc là, il faut qu'on rase ça. C'est parti. Hop. Et on a assez pour aller le titiller, lui. Par contre, on n'a que 10 de main-d'œuvre. C'est pas ouf, ça. Et il a toujours beaucoup d'archers, j'imagine. Ouais, encore plus qu'avant. Donc, il nous faut de la tour. Plus un truc comme ça. 3 tours.
Je vais voir si je fais ça. Victoire. Ok, là, ça tue juste le général. Ok, très bien. Parce que toujours ça de prix. On pourra faire un petit truc comme ça, mais on verra quand on aura le fight. Si on doit reculer parce qu'il y a encore l'autre qui se pointe, là, même si avec la vision, a priori, il n'y a rien. Ok, on va arrêter cet épisode-là pour aujourd'hui. J'espère qu'il vous a plu. Prochaine fois, on arrive notre ambition dans l'idéal. En faisant tomber notre ami Ashkalon. J'espère que ça vous a plu. Laissez un petit message, un petit commentaire, un petit pouce si vous le souhaitez. On se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao tout le monde.